Salut les amis et bienvenue sur Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Alors je vous en ai parlé la dernière fois, dans ma précédente vidéo, le let's play sur Saboteur. Je vous avais dit que j'allais vous faire un let's play sur le fameux jeu L'Abbaye des Morts. Eh bien c'est le moment ou jamais, allons faire un superbe let's play de ce jeu magnifique. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, tout particulièrement pour ce jeu, je vais utiliser un vrai Commodore 64 que je vais brancher avec un périphérique de capture vidéo parce que j'ai voulu faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire utiliser un émulateur, mais j'y arrive pas. Voilà. Bon, comme vous le savez, j'ai eu la chance de participer aux phases de bêta test de ce jeu et moi j'ai joué des heures et des heures, mais j'ai joué tout le temps sur un vrai Commodore 64. Bon, c'était pour voir les bugs éventuels qu'il aurait pu avoir avec le vrai hardware. Mais moi, j'ai pris l'habitude de jouer avec un vrai Commodore 64 avec ce jeu. Et quand j'ai joué avec un émulateur, eh bien, j'étais une vraie brêle. Je peux vous dire que j'ai senti quand même qu'il y avait une sacrée différence entre l'émulation et la machine originale. Une petite latence malgré tout qui est infime, mais dans certaines phases du jeu, moi ça m'a gêné parce que je suis habitué au temps de réponse immédiat du Commodore 64 et ce jeu là sur un Commodore 64 c'est une véritable tuerie. Ça je vous le dis, hein, franchement, au niveau du gameplay, ça répond au quart de tour quoi. C'est impressionnant tellement ce jeu est, je dirais, limite proche de la perfection au niveau du gameplay. Mais le souci, c'est que comme moi je suis habitué à jouer avec mon Commodore 64, quand je suis passé sur l'émulateur, ben, j'arrivais pas, il y a des niveaux où j'arrivais pas à passer, ou je ratais une plateforme à chaque fois, à des endroits où jamais je ne perdais. Donc je me suis dit, allez, tant pis, pour une fois, on va brancher le Commodore sur l'ordinateur avec le logiciel de capture de vidéo. Malheureusement, l'image est forcément beaucoup moins belle que sur un émulateur où là l'image est parfaite. Vous allez voir, ça fait old school, hein. Mais bon, après tout, c'est un Commodore 64. C'est un ordinateur qui est très, très vieux maintenant, hein. Donc, après tout, une image old school, c'est pas mal non plus. C'est juste qu'il faut s'habituer un petit peu. Le son est un petit peu moins bonne qualité, malheureusement. Mais le plaisir du jeu est là. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à regarder ma vidéo que moi à avoir joué avec ce jeu. Voilà, donc l'Abbaye des Morts, c'est maintenant. Bon, allez, c'est parti. Alors là, pour l'instant, notre petit moine Jean-Raymond se retrouve perdu dans la forêt, poursuivi par la croisade, et il va donc aller se réfugier dans une abbaye perdue, donc au fin fond de la forêt. Alors, donc, le but de ce jeu sera de récupérer 12 croix qui nous permettront d'ouvrir une porte qui donnera accès à la dernière pièce de l'abbaye afin de combattre le diable. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, il y a une sorte de stèle. Quand on passe dessus, en fait, on active. Et ce qui permet en fait de redémarrer la partie si on meurt quelque part dans l'abbaye. On va redémarrer la partie à cet endroit précisément. Et on aura plusieurs dans le jeu, vous verrez. Donc ici, les petits parchemins, ça nous donne des petites infos sur le déroulement du jeu, sur l'histoire du jeu. Donc là, on nous dit qu'il y a 12 frères qui sont morts ici, dans cette abbaye. Et par la suite, on va nous dire en fait qu'il faut récupérer 12 croix. Après, vous verrez aussi, il y a des parchemins qui vont vous indiquer un petit peu, qui vont vous donner des réponses à certains endroits, enfin, certains... pour
pour pouvoir attraper certaines croix qui paraissent inaccessibles, en fait, ben vous aurez la solution dans les parchemins. Donc, première chose à faire, on va aller au clocher, on va sonner la cloche qui va permettre d'ouvrir un accès qui nous permettra de pouvoir aller dans les souterrains de l'abbaye. Et donc là, maintenant, on va aller chercher notre première croix. Voilà, encore un parchemin. Là, cette fois-ci, 12 croix contre le démon. Evil, c'est le diable, ouais. Alors, on va attendre le bon moment pour passer. Hop. Alors, vous verrez que dans ce jeu, la plupart du temps, c'est juste une question de bon timing. Alors maintenant, on va avoir accès donc au sous-sol de notre fameuse abbaye. Et c'est là que tout va commencer. Alors, je récupère cette deuxième croix tout de suite. Voilà. Et on va aller tout de suite dans l'écran à droite. Alors moi, j'ai mon petit parcours, hein, parce que bah, je connais bien le jeu. Hein, j'y ai joué très souvent. Et à force d'y jouer, eh bien, j'ai mes petites habitudes. Et vous verrez, bon, vous aurez sûrement les vôtres, si vous prenez goût à ce jeu. Et pour moi, c'est le chemin le plus simple. Voilà, donc ici, alors la stèle, hop, je l'active. On va essayer de passer là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un chemin invisible au-dessus d'un pont en bois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On verra bien tout à l'heure. J'attends le bon moment pour sauter. Voilà. Et on récupère notre troisième croix. Alors, hop, je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas prendre trop de risques. Hop. Et voilà. Alors dans ce tableau-là, hop, je récupère une vie. Alors les petits cœurs, c'est des vies forcément. Vous avez en bas à gauche, une porte qui est fermée. Alors vous verrez que cette porte, en fait, on peut l'ouvrir en actionnant un levier un peu plus loin dans le jeu. Je vous montrerai après. Donc en attendant, on va récupérer notre quatrième croix. Voilà. Alors, pas de risque. On a le temps. Il n'y a pas de... pas chronométré, donc on a tout le temps. Cette porte là nous permet de nous téléporter à un autre endroit du jeu. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit levier en haut, donc ça va permettre d'ouvrir la porte qui se trouve, je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai montré l'accès qui s'est ouvert pour aller au sous-sol, tout à côté il y avait une porte qui était fermée. Là, ce levier là va permettre d'ouvrir cette porte là donc on va aller actionner le levier. Tout de suite, je vais activer d'abord ça ici. Je vais récupérer la petite croix. Hop. Voilà. Ensuite, on va monter. Hop. Je récupère le cœur. Et on actionne le levier. Voilà, ça c'est fait. Et là, je vais récupérer le cœur qui est en bas. Hop, hop, hop. Un petit peu trop. Un petit peu trop bas. On va attendre que la goutte tombe. Voilà, hop, je récupère le cœur. Ouais, hop. Et là, vous allez voir ici qu'il y a quelque chose de spécial dans ce tableau-là. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Une vie en moins déjà. Bon, c'est pas grave, j'espère que j'en aurai assez. Voilà. Alors là, tout de suite, on va aller en haut. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit sauter vers la mort et prouver votre foi. Eh bien, on va sauter vers la mort et on va prouver donc notre foi. Donc là, on va éviter cette espèce de boule. Vous allez voir ici. Déjà, là, je récupère la vie, je m'abaisse et je passe au tableau suivant où il y a le dragon. Et je récupère la croix au cul du dragon. Et là, je fais le saut de la mort. Et voilà, vous avez vu? J'ai prouvé ma foi, j'ai sauté et je suis pas mort. Voilà. Allez, on va continuer comme ça. Tranquillement. Alors ici, il y a un système de...
Il y a un système de boutons qui va permettre d'inverser les croix. Je vais vous montrer ça. Donc je vais d'abord récupérer la croix qui est là, hop, celle-là, comme elle était dans le bon sens. Et on va aller actionner ici ce bouton qui va regarder la croix qui est à gauche. Hop, elle se transforme en croix normale. Voilà. Hop, et maintenant on va pouvoir accéder. On va remonter à la surface, c'est-à-dire à l'étage au rez-de-chaussée de l'abbaye. Et maintenant vous voyez que la porte est ouverte. On va pouvoir accéder à ce tableau et récupérer encore une croix. Alors là ici c'est un petit peu chiant. C'est bon, j'actionne le levier et le levier que je viens d'actionner là, c'est ce levier là qui va ouvrir la porte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je suis à 10 croix, il m'en faut 12 en tout. Et maintenant, donc en fait, si je dois passer ici. Allez, bon, tant pis, pas de risque. Hop, ouais, c'était juste hein, quand même. Voilà, vous voyez la porte en bas à gauche est ouverte. Donc on va aller faire un tour là-bas. Vous allez voir qu'on va devoir... Hop, j'actionne le... Stèle, vous allez voir qu'on va devoir se battre contre la mort. Alors là c'est pareil, c'est toute une question de timing, vous allez voir. C'est pas trop compliqué, il faut juste vraiment faire les choses au bon moment. Allez, c'est parti. Voilà. Je mets sur le côté. Et c'est bon. Maintenant, je peux sortir. Et voilà. Donc, je vais repartir, me téléporter à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Et là, maintenant, on va aller un petit peu plus bas. Alors, ici, il y a un passage pareil, un passage spécial. Eh bien, c'est simple, vous allez voir. Hop, oh mince, j'ai une belle connerie, je me suis relevé trop tôt, c'est pas grave. Hop, donc je redescends tout en bas, voilà, ici je fais ça, et là je saute, et regardez, je suis dans le vide sur une, en fait, sur une plateforme invisible qui va me permettre d'atteindre cette plateforme là, d'actionner le levier et de pouvoir accéder au niveau suivant. Alors là, ça va commencer à se corser, vous allez voir. C'est là qu'on va vraiment arriver dans les phases les plus difficiles du jeu. J'actionne ça tout de suite, voilà. Alors le tableau suivant, c'est presque l'enfer sur Terre. Allez, c'est parti. Alors, il faut attendre le bon moment. Hop. Là, je me laisse tomber. Je récupère ma 12e et dernière croix. Et là, il faut que je remonte sans me faire tuer. Alors là, c'est... Ça va être difficile. Juste trouver le bon timing. Hop. Ah bah non, tant pis. Bon, c'est pas grave. Ouf, mince. J'ai failli me faire avoir. Hop. Il reste 5 vies, j'espère que je vais pas toutes les perdre en faisant des conneries. Voilà. Et là, c'est l'enfer sur Terre, vous allez voir. C'est une horreur, ce tableau-là, j'en ai perdu des vies. C'est un truc de fou, vous allez voir. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je me laisse tomber ici. Ensuite, alors, faut que je me concentre. Désolé si je parle un peu moins, mais il faut que je me concentre un peu. Voilà. Allez. Hop, masse. Bon, allez, on recommence, c'est pas grave. Alors là, vous voyez, c'est chiant parce que je suis obligé de recommencer ici. J'espère que ça va aller. Hop, allez.
Voilà. Je vais essayer d'activer la stèle qui est juste à côté parce que sinon, souvent, si je perds, je vais toujours redémarrer au tableau d'avant qui est aussi assez dur. Bon, allez. Alors, quand je vais faire ça. Oups! Voilà, au moins je suis tranquille. Bon, allez. Alors je vais attendre un petit peu. Ça va être chaud. Hein. Voilà. Bon, allez. J'espère que ça va aller. Yes! Donc voici le dernier tableau du jeu. Mais ce qu'il faut, c'est monter sur les 12 croix qu'on a récupérées et atteindre l'espèce de Graal qui est en haut. Allez, c'est parti. Hop. Merde. On continue. Allez. Hop. Là. Hop. Hop. Et voilà. Tadam. Donc notre fameux moine Jean Raymond a défié le diable et l'a battu. Mais malheureusement, vous allez voir que finalement, il lui arrive une fin tragique puisque ben, voilà, il se fait brûler sur un bûcher, malheureusement. Voilà donc l'abbaye des morts. De Double Sided Games, un jeu magnifique, avec un gameplay, franchement, c'est un pur bonheur. Franchement, j'ai pratiquement jamais joué avec un jeu qui a un aussi bon gameplay. Et croyez-moi, j'en ai fait des jeux sur Commodore 64. Et bien voilà, ce Let's Play, un petit peu spécial, sur l'Abbaye des Morts est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et qu'il vous donnera envie, si vous n'avez pas encore essayé ce jeu, d'y jouer. Sachez qu'il est encore, il est plus disponible en boîte, mais vous pouvez encore l'avoir en démat sur le site de Double Sided Games. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Et franchement, ça vaut le coup. Je vous le conseille. Et je compte sur vous également pour mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne. Il y a encore plein de choses à voir que vous n'avez sûrement pas encore vues. Voilà. Et comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à me faire des propositions de jeux pour des futurs let's play. Voilà, je me ferai un plaisir d'étudier vos propositions de let's play. Et à condition bien sûr que le jeu me plaise au départ et que je puisse faire des vidéos intéressantes là-dessus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis portez-vous bien et longue vie au Commodore 64.